J'ai pu... lui échapper. Il faut que j'en finisse. Il nous reste peu de temps. Lâchez-moi! Lâchez-moi, putain, laissez-moi partir! Laissez-moi partir, ok? C'est pas de ma faute, c'est parti en couille! Je vous en supplie! Mais pourquoi vous dites rien, putain? Est-ce que c'est de l'argent que vous voulez? Hein? Parce que mon père, il en a! Tout un tas de fric! Enfin, pas vraiment! Mais il en trouvera! Enfin, j'espère! Pitié! Laissez-moi partir, pitié! Je suis tellement désolé! Oh, putain de merde! Et de deux, Bobby! Vous aimez bien fouiner, je vois. Vous mettez votre nez là où vous ne devriez pas. Ne croyez pas tout ce que vous entendez. Bref, nous y revoilà. Voyons ce que vous m'avez apporté, d'accord? Le chariot. Aux commandes d'un chariot, nous nous sentons tous en sécurité. Prendre le contrôle, se fier à notre détermination pour faire nos choix, c'est courageux. Et dans certains cas, stupide. Nombreux sont ceux qui cherchent refuge dans un chariot. Mais parfois, sans qu'on sache pourquoi, ce n'est pas aussi sûr que ce que l'on pourrait croire. Et l'éternelle question qui revient. Me laisserez-vous vous en montrer plus ? Nous nous reverrons encore plusieurs fois avant que la nuit ne touche à sa fin. J'en suis ravie d'avance, tant que vous suivrez la bonne voie, bien sûr.
Où écrit sa quête? Ta gueule. Les gars, elle a tué Kaylee. On va pas encore remettre ça. Caitlin, je fais quoi? Oh, waouh, visiblement, t'as une âme de leader, toi. J'ai dit ta gueule. Non, pas question, je refuse d'être impliquée. T'es tout seul, mon pote. Mais bon, pense à tout ce qui s'est passé cette nuit. Je dis ça, je dis rien. Le corps dans le lac aussi. Tu sais ce qu'a dit Jacob? Ouais, c'est vrai. Écoute-moi, ces gens ne sont pas du tout ce que tu crois, je te le jure. Attends, t'as vraiment entendu une femme pleurer? Quand t'es partie? Pourquoi? Qu'est-ce que tu sais? C'est l'histoire de fantôme qui nous a raconté, hein? C'est pas une histoire de fantôme, c'est une histoire de monstre. Elle est réelle et vous êtes tous dedans. Ton bracelet. Qu'est-ce que tu fous? J'essaie de vous aider. Dans le pire des cas, ça te donnera une chance de t'en tirer. Et ça les tuera? Pour de bon? Ouais. Mais si c'est Nick ou un autre? Comme j'ai dit, dans le pire des cas... Ryan, pose-moi ce truc avant de blesser quelqu'un. Bon, allez. Où habite Chris Hackett? Quand il est pas au camp, je veux dire. Qu'est-ce qui te fait croire que je le sais? Vous êtes bien moniteur, non? Vous avez passé 2 mois ici? Il est pas au sous-sol, et j'arriverai à rien en le cherchant au hasard dans les bois. Il me faut un point de départ. Je crois que c'est la maison flippante derrière la forêt. Hé ! Quoi ? Écoute, il y a peut-être un autre moyen. T'y as pensé à ça ? Je viens de passer tout un mois à réfléchir qu'à ça. Bon, quand le soleil se lèvera, je pourrai rien faire jusqu'à la prochaine pleine lune. Et Max non plus, ni tous les autres qui ont été mordus. En quoi c'est notre problème? Pourquoi tu demandes pas à tes copains dans les bois? Et puis n'oublie pas Nick. Ok, si vous continuez, va falloir vous jeter un seau d'eau. Ryan, faut qu'on sorte d'ici. J'ai plus beaucoup de temps. Si je trouve pas Chris Hackett, alors des tas d'autres gens vont être blessés. Je viens avec toi, hein? Ouais, tout pareil. J'ai absolument pas l'intention de laisser une meurtrière en fuite comme toi s'approcher de Chris toute seule. T'es en train de me draguer? Non. Bon, fais comme tu veux. Mais t'as bien vu avec Nick, on l'a mordu. T'inquiète, tout va bien se passer. La voiture que t'as prise, elle est où? Au fond du lac. Pourquoi? C'était une voiture de flic volée. Tu vas devoir essayer de réparer le minivan, vous devez partir. T'as combien de temps? 1 heure ou 2, j'en sais rien. C'est pas vraiment une science exacte. Alors faut qu'on se bouge.
T'es bien sûr que c'est par là? Pratiquement, ouais. Pratiquement ou totalement? Tu m'as pris pour quoi? Pour un guide? Est-ce que t'es déjà venu ici? Eh ben, non. Quoi? T'es sérieux? J'en sais pas plus que toi, ok? À quel point tu connais Chris Hackett? Monsieur H, plutôt bien. Autant que la route à suivre pour atteindre la maison? La première fois que je suis venu, je vivais une période tendue, et Monsieur H m'a bien aidé. C'est un type bien. Tu le connais pas comme moi. Tu le connais pas du tout. Ok, ok, ouais. T'es son chouchou. C'est quoi ton problème? Écoute, je pense pas qu'on puisse connaître quelqu'un à fond, pas vraiment. Eh ben, je connais Monsieur H et il nous ferait jamais aucun mal. Et moi, je peux te dire qu'il n'est pas le type bien que tu crois qu'il est. Tout ce qu'il fait, c'est pour aider les gens. C'est pour ça que la colo existe, pour aider les gamins. Ouais, j'en doute pas. Tu sais ce que je dois faire, hein? Je sais. Mais que si on peut pas lui parler, s'il n'y a pas d'autre moyen. Passe devant. C'est là, le manoir Hackett. Alors, comme ça, il vit dans une baraque de gros bourges avec sa famille de cutéreux au fin fond des bois. Regarde-moi ça! Non, mais c'est là que vit sa mère, je crois. Je connais pas, mais si on veut des réponses, c'est sûrement là qu'il faut commencer. Mais, attends, comment on y accède? C'est-à-dire? Comment on accède au manoir? Ça, c'est une très bonne question. Il y a qu'à pas y aller. Tu pourrais arrêter de le protéger. T'es de quel côté? Au point où j'en suis, j'en ai aucune idée. Tout ça va beaucoup plus loin que tu le crois. Quoi? Enlèvement, meurtre, dissimulation. Je crois que toute la petite famille Hackett trempe dans cette affaire. Peut-être même la colo. Peut-être même toi. Qu'est-ce que j'en sais? Ouais, c'est ça. Tire-toi. Oh, désolé, j'ai juste pensé qu'au lieu de rester là à t'écouter te plaindre, je pourrais peut-être essayer de trouver un moyen de passer. J'ai failli mourir. On a failli mourir. Mais c'est bon. C'est rien, tu vas t'en remettre. Et tu me donnes pas encore vraiment faim, donc je suppose qu'on a encore un peu de temps. Allez, faut qu'on remonte. C'est pas marrant. Quand même un peu. Oh mon Dieu, Laura! Putain de bordel de merde! Attends voir. Qu'est-ce que tu fais? Du calme, regarde. Comme tu as de grands yeux, mère grand. Oh merde! Tu vois du jaune dans mes yeux? Je sais pas trop. Merde.
On n'a pas beaucoup de temps. Ça remonte sûrement à la carrière. Sans deck. Plus personne descend jamais. C'est elle. Qui ? La folle de Hackett's Quarry. On dirait qu'elle veut nous avertir. Ou nous guider. Merde. Tu crois qu'on nous a entendus ? Non, c'est pas possible. Cet endroit n'est pas du tout aux normes. Bah, si les normes, c'est tout doit être à deux doigts de s'effondrer, ça correspond plutôt bien. Il faut qu'on continue. Regarde-moi ça. Je dirais pas non à un bon burger là tout de suite. Arrête tes conneries. Oh la vache, c'est haut. Wow. Que peut-être il pourrait y avoir quelque chose avec nous. Soit ça, soit le passage est moins abandonné que ce qu'on croyait. Sacrée descente. Bon, où est le panneau sorti ? Regardez qui a finalement de l'humour. Il y a un truc que je pige pas. Comment ça ? Ton petit numéro de solitaire ténébreux, là, ça colle pas vraiment avec le « J'adore mon directeur de colo ».
Donc je rentre pas bien dans ta case, c'est ça que tu veux dire ? Arrête, tu m'as comprise. Je viens depuis des années. Quand on connaît bien un endroit, on s'y sent comme chez soi, tu vois ? Enfin, jusqu'à maintenant. Et pour ta pote, là, Caitlin, non, c'est ça ? On dirait qu'elle t'admire beaucoup. Ouais, elle... elle a un faible pour moi. Dylan aussi. Oh, je vois que c'est pas la modestie qui t'étouffe. Je dis pas ça pour me vanter, c'est la vérité. Ils essaient pas non plus de le dissimuler. Et de ton côté, lequel tu préfères ? Je sais pas. Peut-être aucun. Par là, il y a de la lumière. Ouais. Ou bien tu peux rester là, comme tu veux. Merci de ton aide. Tu te débrouillais très bien toute seule. Ça s'annonce bien. Attention, ça pique. Merci, ça va. On a trouvé de quoi s'amuser. De l'alcool, la prohibition, des tunnels de contrebandiers. Ça veut dire que cet alcool a presque 100 ans. Il doit être encore bon. Bon ? Millésimé. Alors les Hackett étaient contrebandiers. Logique. Après la carrière, ils ont dû se diversifier. Allez, on verra ça plus tard. Je crois qu'on y est. Je sais pas, je suis complètement perdu là. Ah. Ouais, pareil. On y va ? Il s'est passé quoi ici ? C'est un peu de ma faute. Je me suis embrouillée avec un des locaux. Putain, Caitlin, c'est un vrai champ de bataille. Tu devrais voir l'autre type. Qu'est-ce qui est arrivé à Jacob et Emma ? Probablement rien, j'espère. On devrait pas les chercher ? Les prévenir ? Je crois que le plus sûr, le plus responsable, c'est de trouver de l'aide. Ok. Et puis, on viendra les rechercher. Et Nick. Et Nick.
Attends. Quoi ? Est-ce que... il y a quelque chose là-dedans ? J'en sais rien. Qu'est-ce que c'est ce truc ? Jacob ? Emma ? Est-ce qu'il... j'ouvre la portière ? Si tu veux mourir. Je suis vraiment désolée, je savais pas que c'était toi, j'avais la rouille et j'ai cru... C'est pas une lacrymo. Quoi? C'est du déo. Oh. Ouais. C'est tout ce que j'ai trouvé dans le van. Dylan, t'as... Alors elle était au commissariat depuis le début? C'est ouf, hein? Alors que nous, tranquilles, on passait un super été tous ensemble. Sans savoir. Merde. Ok. Tu peux réparer? Non. Ah. Pas sans certaines pièces. Notamment un doigt d'allumeur. Je crois qu'il y a une casse pas loin. Alors tu peux réparer? Ben, je promets rien, mais j'espère. Si on trouve ce qu'il me faut. Ça me paraît peu probable. Dylan, allez, j'ai besoin de toi. On a besoin de toi. Bon, d'accord. Une fois encore, Dylan se met en danger de mort pour le bien de ses collègues. On est censé faire quoi, au juste? C'est vrai, le van est sympa, mais c'est pas non plus une forteresse. Ben, il y a bien le sous-sol du chalet, ça devrait être sûr pour l'instant. Ok. Abby, tu me suis. Courage. C'était quoi? Hein? C'était quoi? Oh, c'est rien, on a des invités en bas, on voudrait pas avoir plus de sang sur les mains.
Un vieil alambic. Les affaires devaient bien tourner. Jacob! Hé! C'est Ryan! Merde! Qu'est-ce qui t'est arrivé? Il faut que tu me tires de là. Comment ? Sors tout de suite. C'est électrifié. Bon, ok. Il y a une armoire dans l'angle de la pièce. Je crois qu'elle gère l'électricité. J'ai vu un vieux. Celui qui était dans les bois, juste devant. Qu'est-ce que tu fais là, Travis ? Tu devrais être avec les autres. Je te l'ai dit, on a passé la nuit à essayer de sauver ces mioches. C'est Kelly. Est morte. Non. Les autres sont en train de la ramener. Maintenant, je suis sûr que ta tête de flic tourne pas rond. Impossible de la tuer dans son état. Une balle d'argent. Elle est mortement. Non. Pas ma petite Kelly! Espèce de pourriture! Pas ma petite Kelly! Va au diable! Qu'est-ce que tu lui as fait? T'as été mordu? Mais elle est folle! Qu'est-ce que t'as fait ? Hé ! Lâchez-la ! Edmond ! Envoie-moi Bobby ! A beauty is a tiger. Be careful, make sure that she doesn't bite. Her beauty is inside her. That's why I need to find the key tonight. When I say yes, you say no. Rebonsoir. Je vous ai manqué? J'espère que vous m'avez apporté d'autres cartes. Faites-moi voir ça, d'accord?
L'impératrice. Regardez-la. La chute est bien plus dure quand on est au sommet. Quelle tristesse, après avoir pris soin de ces petits monstres, de vivre assez longtemps pour les voir vous tuer. Mais elle n'en méritait certainement pas moins. La roue de fortune. Après tout, la fortune n'est qu'une roue qui tourne sans fin. Parfois, il faut prendre des risques. Les voies du karma sont impénétrables, mais il sourit à ceux qui sont attentifs. Alors ne la quittez pas des yeux. Même si la roue tourne bien, seul un œil averti sera déterminé quand elle s'arrêtera. L'empereur. L'autorité, la paternité, des structures destinées à s'effondrer, non? Les puissants peuvent tomber, et leur empire avec eux. Qu'ils saignent, qu'ils se déchirent entre eux, qu'ils pourrissent. Des détails? Alors choisissez l'un des futurs possibles que vous aimeriez voir. Regardez avec soin. Essayez donc de trouver un peu de clarté dans le chaos. Partez, vous avez encore le temps. Faites attention, faites très attention. T'étais déjà venu? À la casse? Non, j'ai juste vu le panneau en arrivant. Tu voudrais pas qu'on rejoigne la grande route? C'est pas la grande route? Non, on est sur le terrain des Hackettes. La grande route est à 2 kilomètres, par là. Mais comment ça se fait que j'en sais plus que toi, surtout? Oh, ta gueule! Alors, on doit marcher encore 1 heure jusqu'à la route, et il nous restera au moins 3 ou 4 heures avant d'arriver au premier... je sais pas quoi. Ouais. C'était quoi, ça? Faut continuer. Ok. Bon. Va falloir que je m'y fasse. Mais arrête! C'est trop classe, un crochet. Je te promets, tu vas choper comme jamais. C'est vrai que c'est plutôt original. Je pourrais varier les accessoires. Voilà, assume à fond. Ça te fait une histoire géniale. Ouais, je pourrais peut-être en parler sur la station de radio. T'inquiète, on en rigolera tous dans quelques années. Toi, moi, peut-être même Ryan. On s'est bien rapprochés autour du feu, lui et moi. Je me fais des idées où il aurait pu se passer un truc. On verra l'année prochaine. Ouais, faudrait d'abord survivre celle-là. Ça changerait rien de toute façon, on a enfin trouvé ce qui plaît à Ryan. Les héroïnes, sûres d'elles, avec un cache-œil. Les pirates. Peut-être qu'il va tenter un abordage. Là. Du calme, c'est un détecteur. On est bon. Enfin, je crois. Regarde, du vrai steampunk. Allez, par là.
fait quoi maintenant? Bah... je sais pas, on peut... se mettre à l'aise. Se préparer des cocktails, regarder la télé... non? Tu veux bien arrêter, s'il te plaît? Hein? Arrêter quoi? De faire genre... ce que t'essaies de faire, là, maintenant, c'est pas marrant. Oh, désolée, je m'appelle Abigail et je suis physiquement incapable de m'amuser. En fait, on m'a chirurgicalement extrait mon sens de l'humour quand j'étais petite. Même quand tout part en couille, il faut absolument que tu sois au centre de l'attention. T'as pas un bouton off? Il y a quelque chose de caché sous toutes tes conneries égocentriques? Abby, je voulais juste... J'ai perdu tellement de temps à essayer de trouver un moyen d'être comme toi. Et j'ai fini par comprendre que t'as besoin de moi pour ton spectacle, pour ton public. Mais devine quoi, j'en ai ras le cul de devoir jouer ton public. Je suis vraiment désolée. Mais j'aurais jamais pu rêver meilleur public. Laisse tomber. Non, Abby. J'ai besoin de toi. Et peut-être que j'ai juste peur que tu comprennes que toi, t'as pas besoin de moi. T'es ma meilleure amie. Bon, quelle nuit de merde, hein? Ouais. Vas-y, je veux t'entendre le dire. Quelle nuit de merde, une nuit de sa mère ma pute. Doucement, maman. Lâchez-moi, vieille sorcière! Je vais te exploser la cervelle! Ah! Que tout le monde se calme. Pas facile de tirer à l'aveugle. Je l'ai. Tu vas payer pour ce que t'as fait à ma Kaylee. Lâche-moi tout de suite. Arrêtez tous. Grosse dose. Non mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Réveille-toi. Allez. Chérie, allez. Debout. Debout. Allez. Oh. C'est fini. Mon petit Bobby. Maman est morte. Oh. Il ne protégera plus personne, Travis. Ok, ok, j'aime pas ça. Ah.
Oh, non. Putain.